Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Diamond Painting, aujourd'hui, bon, la vidéo ne sera pas très longue puisque c'est une préparation de kit. Voilà, vous savez que j'ai terminé mon kit de Tamara Laporte. Voilà, mon kit anglais, le défi que je devais faire. Donc aujourd'hui, je remets en route un nouveau kit. Bon, en sachant que j'ai toujours en route aussi le kit que Sylvie m'avait offert. Donc, je vais jongler sur ces deux kits-là maintenant pour... je vais faire ces deux kits-là en même temps. En sachant que le kit que je vous présente aujourd'hui, j'ai jusqu'à Noël pour le faire, puisque c'est un kit que je vais donner... qu'une amie veut, donc voilà. Donc j'ai jusqu'à Noël, donc là ça va. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu au lac, hein, comme diraient nos amis suisses. Alors, ce kit, je vous l'avais déjà présenté, je vous remettrai ici, quelque part, comme d'habitude, le lien de la boutique, enfin le lien de la vidéo, pardon. Vient de la boutique Cara Art. C'était un kit qui était dessiné par une illustratrice qui s'appelle Viviane Valentin, qui vient du Brésil, qui était assez jeune. Sur sa fiche, sur le site, c'est marqué qu'elle a 21 ans. Donc, bon, elle a peut-être plus 21 ans maintenant, mais elle est dans cette tranche d'âge. Voilà. Donc c'est la fille et le renard pour le kit. C'est un 50-60. Ce sont des perles rondes et il y a des perles AB dedans. Donc les perles AB, ce sont les perles brillantes, des perles holographiques. Donc ce ne sont pas que des perles normales, il y a des perles holographiques également dans ce kit. Donc c'est ça qu'on appelle les perles AB. Donc il va y avoir des petites touches brillantes à droite à gauche sur le kit, ça va être très joli. Il y a beaucoup de, comme vous pouvez voir sur, je vous mets là la photo hein, du kit. Vous voyez, il y a beaucoup de rouge, de roux, voilà, puisque ben, c'est avec un renard, et puis la fille a une longue chevelure rousse. Il est très très beau. Je pense que je vais beaucoup aimer le faire également, celui-ci. Et bon, il va me prendre un petit peu de temps, mais comme je vous ai dit, là, je suis pas pressée du tout, hein, tant qu'il est fait avant Noël, c'est le principal. Donc moi je vais vous mettre en barre d'infos les liens, tous les liens nécessaires, le lien de la boutique, le lien pour retrouver également ce kit, s'il vous plaît, pas s'il vous plaît, mais si il vous plaît, comme ça vous pourrez retrouver plus facilement le kit. De toute façon, ce site, il y a plusieurs illustrateurs hein, qui présentent des kits, enfin leurs illustrations transformées en kits. Il y a de très belles choses, j'aime beaucoup. Et je vous offre, enfin je vous offre, non, c'est pas moi qui l'offre, c'est la boutique qui l'offre. Hein. Je sais que je suis gentille, hein, mais... C'est la boutique qui vous offre un code promo qui vous permet d'avoir moins 10% sur votre commande. Donc, je vous remettrai le code promo pareil en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser si vous passez une commande chez eux. 10%, c'est toujours bon à prendre, surtout par les temps qui courent. Donc, surtout, n'oubliez pas de vous en servir. Puis voilà. Donc, ce kit, ben, c'est comme d'habitude, vous allez voir régulièrement des vidéos sur l'avancement de mon travail sur ce DP. Je ne sais pas quel rythme, hein, parce que bon, vous savez que moi, c'est pas très régulier hein, pour ça, pour les DP. Ça peut-être une fois toutes les semaines, je pense pas, mais peut-être une fois tous les 15 jours, ou voilà.
Je vais voir comment je vais tourner avec le deuxième kit de Sylvie. On verra comment, je verrai comment je vais faire. En sachant que celui à Sylvie, bon, j'ai un peu plus de difficultés à le faire, vous vous rappelez, au niveau de l'impression qui est compliquée à déchiffrer, puisque c'est imprimé en blanc sur de la couleur claire. Donc j'ai un peu plus de mal à le faire. Mais bon, on va y arriver. Il n'y a pas de problème. Mais là, ici, il n'y a pas de souci sur celui-là. Vous l'avez vu hein, quand je l'avais présenté. Donc là, je n'aurai pas de problème. Et j'ai hâte de commencer. Donc aujourd'hui, vous voyez enfin, la préparation, c'est les perles. Voilà, je prépare mes perles. Donc il y a 70 couleurs sur ce kit. Donc c'est pour ça que je l'avais pas préparé avant, parce que j'attendais d'avoir ma mallette noire de libre, parce que je n'avais pas de mallette ou de boîte assez grande pour pouvoir mettre les 70 couleurs. Je n'avais que ma mallette noire qui pouvait contenir les 70 couleurs. Et la mallette noire contient 72 pots. Vous voyez, il aurait fallu que qu'il y en ait beaucoup plus. Donc voilà, là vous allez voir la mise en pot. Donc rien de transcendant, hein. Bon. Et à la fin, je vous remontre le kit. Voilà, c'est tout. Donc la vidéo est courte, mais bon, je voulais juste vous montrer le départ. Et demain ou après-demain, on attaque le boulot sur ce kit. Voilà. Je vous laisse visionner le reste de la vidéo. Moi, en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis, et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bon visionnage!